Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galzen. Je vous ai fait une vidéo il y a une semaine ou 2 semaines, si je me rappelle bien, où je vous expliquais les différentes possibilités qui existent pour constituer votre dossier de dépôt de visa côté financement. J'ai déjà fait la vidéo sur le côté logement il y a très longtemps. J'ai fait la partie financement. Donc aujourd'hui, on va juste se concentrer sur quand est-ce qu'il faut constituer un dossier de compte bloqué ou de prise en charge financière. Les deux existent, vous pouvez faire soit une prise en charge, soit un compte bloqué. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut soit choisir la prise en charge, pourquoi il va falloir choisir le compte bloqué, dans quelle situation tu dois choisir le compte bloqué ou bien la prise en charge financière. Donc si c'est clair, c'est parti. Générique. Alors, pour commencer comme d'habitude, maintenant tu connais, si tu regardes les vidéos et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est très important pour moi. Mets-moi un gros like si la vidéo t'a plu et surtout, viens me rejoindre sur Instagram, je te mets juste ici mon Instagram, viens me rejoindre sur Instagram. Donc voilà, si ça c'est bon, c'est parti pour la vidéo. Alors, compte bloqué ou prise en charge financière? Pour constituer votre dossier de visa, en tout cas, côté financement, parce que là, on ne va pas parler du côté logement. Je rappelle juste très rapidement, pour déposer le visa, il faut une acceptation dans une université française, un logement et un financement. Donc, le logement, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo. Pour le financement, sur ma dernière vidéo qui était consacrée au côté financement, je vous avais dit que vous avez la possibilité soit de faire une prise en charge financière, soit de faire un compte bloqué. Pour la prise en charge financière, je vous avais très bien expliqué que pour quelqu'un qui est en France ou à l'étranger, vous n'avez pas besoin de faire forcément un avis. Vous pouvez uniquement faire une prise en charge financière et vous envoyer les documents qu'il faut. Par contre, pour toute prise en charge financière qui se fait en Afrique, il est obligatoire de faire un avis, c'est-à-dire un avis de virement permanent, enfin un avis de virement irrévocable, mais on l'appelle aussi un avis de virement permanent et irrévocable. Mais ça, c'est pas le sujet. Alors, quand est-ce qu'il faut choisir un compte bloqué ou une prise en charge? Je vous conseille très fortement pour toutes. Je vous conseille très fortement pour tout dépôt de visa avec une prise en charge qui vient de la France, qui vient de l'Occident en général ou bien de l'étranger en général, c'est-à-dire tout ce qui est France, tout ce qui est Italie, Allemagne, Canada, États-Unis, Italie, etc. Pour tous ces pays-là, je vous conseille de faire une prise en charge financière. Ne faites pas un compte bloqué. Pour les gens qui sont en France, c'est-à-dire pour vos garants qui sont en France ou bien dans ces pays occidentaux, je vous conseille de faire une prise en charge financière. C'est plus simple d'abord pour vous, c'est plus simple pour votre garant et c'est plus simple pour l'ambassade. Parce que pour vous, par exemple, bah, votre garant a juste à vous envoyer ses 3 bulletins de salaire, avis d'imposition, pièce d'identité, une attestation de prise en charge où il va écrire sur papier ou bien sur ordinateur que voilà, je suis signé, monsieur Alassane, prendre en charge, mademoiselle, pour l'année scolaire 2020-2021, pour un montant de 615 euros par mois, etc. C'est juste ça qu'on te demande en fait. C'est très simple, c'est des papiers qui sont très simples pour toi. Donc pour moi, pour toi déjà, c'est beaucoup plus simple. Pour ton garant, c'est beaucoup plus simple également parce que ses bulletins de salaire, il les a. Sa pièce d'identité, il l'a. Son avis d'imposition, il l'a également. Il reste quoi? L'attestation, bah, l'attestation, c'est très simple. Il a juste à taper sur l'ordinateur, à imprimer et ensuite à te l'envoyer avec sa signature. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment très simple pour la prise en charge. Et ça, c'est dans tous les pays occidentaux. Tous ces papiers-là sont déjà à disposition de votre garant. Il a juste à les imprimer et à te les envoyer. Ou bien à te les envoyer directement par mail. Scanner les documents et te l'envoyer par mail. Et toi, tu as juste à les imprimer et à aller déposer ton visa. Donc voilà. Pour le compte bloqué, c'est tous les garants qui sont en Afrique. Je vous ai déjà expliqué pourquoi en Afrique,
on oblige l'avis de virement irrévocable, c'est parce que l'ambassade pense que en Afrique, quand on te fait une prise en charge, on t'envoie pas l'argent. Donc, pour tout garant qui se situe en Afrique, vous pouvez faire un compte bloqué et vous pouvez faire une prise en charge financière avec avis dans les deux cas. Mais moi, sincèrement, c'est possible la prise en charge, encore une fois, c'est possible si votre garant gagne 3 fois 615 euros. Mais en Afrique, moi, je vous conseille de faire un compte bloqué. C'est plus simple pour vous, c'est plus simple pour votre garant. Il a juste à prendre son compte bloqué ou bien à ouvrir un nouveau compte bloqué, verser l'argent dedans, aller voir la banque et lui demander de lui faire une attestation de virement irrévocable à ton nom, toi qui regarde la vidéo, à ton nom. Et donc, la banque va te donner ce qu'on appelle un bordereau de retrait. Avec ce bordereau-là, une fois en France, tu le déposes dans ta nouvelle banque et le transfert se fera tous les mois sans aucun problème. Et au niveau de l'ambassade, ce qu'on te demande, c'est très simple. On te demande juste une attestation de virement irrévocable qui est écrite par la banque, plus le bordereau de retrait, plus la pièce d'identité de ton garant. Ça arrive dans certains cas qu'on demande les 3 derniers relevés de compte bancaire. Ça, c'est pour vérifier s'il y a, on va dire, si le compte est vivant, en fait, s'il y a des entrées et des sorties d'argent. Donc, c'est pour vérifier ça, mais ce n'est pas obligatoire dans tous les pays. Au Sénégal, par exemple, on ne demande pas forcément les 3 relevés de compte bancaire, alors que dans des pays comme l'Algérie ou le Maroc, je pense que c'est demandé. Donc, pour récapituler, pour un garant qui est en France, une prise en charge simple, avec les papiers qui sont demandés. Pour un garant qui est en Afrique, les deux sont possibles, c'est-à-dire une prise en charge financière avec un avis. Seulement si votre garant gagne plus de 3 fois 615 euros. Et ça, on sait tous que c'est très rare, parce que 3 fois 615 euros, ça fait quand même presque 2 millions. Presque 2 millions, des garants en Afrique qui gagnent 2 millions, c'est très rare. Donc, ce qui est plus facile pour vous, c'est de faire un compte bloqué. S'il vous plaît, ne venez pas me dire dans les commentaires ou bien sur Instagram, oui Alassane, mon garant est commerçant, oui Alassane, mon garant est menuisier, oui Alassane, mon garant est ça et ça et ça et ça, est-ce que c'est possible de me prendre en charge, quels sont les documents qu'il faut fournir, etc. Je vous ai répondu, il a juste à déposer l'argent dans un compte bancaire, puis demander à la banque de te faire un avis de virement irrévocable. Avec cet avis-là, sa pièce d'identité, le bordereau de retrait qui est donné par la banque, avec tout ça, tu as juste à déposer ton visa si tu as la partie logement. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de faire une vidéo très simple et très ciblée, parce que là, c'est vraiment c'est presque une réponse à une question. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vais faire des vidéos comme ça de temps en temps, des vidéos très simples et très faciles où je réponds à une question, mais en le développant pour que les autres puissent avoir la réponse en même temps. Donc voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.